m'appelle Sarah El-Bekri, je suis marocaine et je suis nageuse. C'est toujours très 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 amusant de faire des compétitions, d'être à la bagarre avec les filles et d'essayer de gagner. Ce qui est le plus dur, c'est tout le chemin pour y arriver. C'est-à-dire, tous les matins, je me réveille à 5h du matin pour aller au bord du bassin. Puis après, le soir, rebelote, aller courir, etc. Il y a des séances où on passe complètement à travers, on a envie de tout lâcher. Il y a des séances où on a tellement mal au ventre, où il nous arrive de sortir pour vomir parce qu'on n'en peut plus. Notre corps dit stop, j'en peux plus, on arrête là. Et puis notre cerveau nous dit non, faut continuer. Je crois qu'on a vraiment arrivé dans le sport à un niveau où il faut vraiment fournir un effort conséquent. Il faut avoir un mental d'acier. Parce qu'on voit toujours des gens talentueux, mais qui n'arrivent pas à concrétiser ou à réussir finalement. Parce qu'à un moment, ils n'y croient plus. Et on voit celui qui est là tous les jours à s'entraîner, qui n'a pas un talent prédéfini, mais qui a envie et qui arrive à réussir. Quoi que j'ai pu sacrifier, je crois que ça en valait la peine. C'est 6 heures par jour. C'est le quart de ma journée.